Le moment arriva où Marie devait enfanter. Elle mit au monde son enfant. Elle l'enveloppa de l'ange et le déposa dans une mangeoire parce qu'il n'y avait plus de place dans l'hôtel Horus.
Les bergers se dirent les uns aux autres, allons à Bethléem pour voir ce que le Seigneur nous a révélé. Ils y allèrent aussi vite qu'ils pouvaient. Ils trouvèrent Marie, Joseph et le nouveau-né couché dans la crèche. Ils racontèrent la vision qu'ils avaient eue au sujet de l'enfant. Ils répondirent que selon les livres saints, c'était à Bethléem.
Alors, le roi Hérode fit appeler les mages. Il les envoya à Bethléem et leur dit : Quand vous aurez trouvé l'enfant, avertissez-moi, j'irai moi aussi lui rendre hommage. Ils se mettent en route, et voilà que l'étoile qu'ils avaient vue se lever à l'Orient leur apparaît à nouveau. Elle les guide jusqu'à la crèche où était l'enfant. Ils entrent dans la crèche et trouvent l'enfant, Marie et Joseph. Ils se prosternent jusqu'à terre pour lui rendre hommage, puis déposent devant lui en offrande de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Thank you.
cette nuit très sainte des clartés de la vraie lumière. De grâce, accorde-nous qu'illuminés dès ici-bas par la révélation de ce mystère, nous goûtions dans le ciel la plénitude de sa joie. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi en unité du Saint-Esprit, car il est Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Aujourd'hui, un sauveur nous aimait, c'est le
lecture de la lettre de saint Paul, apôtre à Tite. Bien-aimés, la grâce de Dieu s'est manifestée pour le salut de tous les hommes. Elle nous apprend à renoncer à l'impiété et aux convoitises de ce monde et à vivre dans le temps présent de manière raisonnable, avec justice et piété, attendant que se réalise la bienheureuse espérance, la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur, Jésus-Christ. Car il s'est donné pour nous, afin de nous racheter de toutes nos fautes et de nous purifier, pour faire de nous son peuple, un peuple ardent à faire le bien. Parole du Seigneur. Chantons, chantons nos rêves.
chercher le sens profond. Jésus avait annoncé depuis longtemps